Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'éveil spirituel et qu'est-ce que peut causer comme souffrance l'éveil spirituel de nos jours à travers la clairaudience et la clairsentence et la clairvoyance. Je ne sais pas si vous connaissez ces mots, je vous expliquerai dans d'autres vidéos ce que c'est. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur un sujet, celui de l'éveil spirituel. Donc écoutez bien et regardez bien. L'éveil spirituel, c'est par exemple entendre des choses et avoir une ultra-sensibilité ou une hypersensibilité dans son environnement dans lequel on est entouré. Ça peut être des personnes, des objets, des animaux aussi, des insectes, des pierres, des arbres, des plantes, etc. Donc, pour mieux vivre l'éveil spirituel à travers votre hypersensibilité, le mieux étant de méditer très souvent et de vivre sa vie en pleine conscience également et d'être en harmonie avec tout ce qui vous entoure. Et c'est ça le mieux à la vie. Mais il y a toujours un mieux, il faut toujours avoir un haut idéal, un objectif de vie pour élever sa fréquence individuelle afin d'élever la fréquence énergétique collective. Très important, retenez bien ceci.